Amis du GEMPI, aujourd'hui nous allons parler du désengagement et en particulier du désengagement de l'emprise sectaire, puisque c'est dans nos objectifs que d'aider les gens qui sont dans ce genre de problématiques. Et nous avons invité aujourd'hui quelqu'un qui, l'une des rares personnes qui a travaillé en France sur ces questions-là, Romy Sauvert, donc sociologue. Vous voyez bon quelques-uns de ces titres qui sont affichés ici sur l'écran, qui avait déjà donné un colloque au GEMPI il y a quelques années, lors d'une conférence au colloque du GEMPI il y a quelques années, et qui nous a servi de référence hein, au travers de ses travaux, et en particulier de son livre Croire en l'incroyable, Anciens, nouveaux adeptes. Donc, c'était aux Presses universitaires de France en 2012. Et donc, on s'en est beaucoup inspiré dans le MOOC Gestion des risques sectaires, notre formation en ligne, que vous trouvez sur notre site dans la rubrique Formation. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Romy Sauvert pour nous faire cette présentation. Et n'hésitez pas à réagir sur le site, sur notre chaîne YouTube, si vous souhaitez avoir des précisions sur cette présentation. C'est à vous, Romy. Merci Didier, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du processus de désengagement. Je vais détailler mon propos en plusieurs sections. D'abord, on va définir ensemble ce qu'est la croyance, parce que c'est un terme polysémique. Puis, je vous parlerai de quelques instants seulement du processus d'adhésion, parce que c'est important pour la suite. En troisième section, ce sera l'apparente résistance au changement. Il s'agira de comprendre pourquoi les adeptes paraissent sourds devant l'épreuve. Ensuite, le processus de désadhésion, et c'est là qu'on va beaucoup plus approfondir le processus par lequel un adepte passe pour abandonner sa croyance. Alors, définissons ensemble ce qu'est une croyance. Alors d'abord, qu'est-ce que croire? Croire consiste à tenir une proposition pour vraie. Et par exemple, je vous dis, je suis sociologue à l'université Clermont-Auvergne, c'est une proposition. Et a priori, vous n'avez pas trop de raisons de douter de ce que je vous dis. Là, vous croyez à ce que je vous dis. Moi, je Et vous souvent, les crois. croyances. Merci, Et la plupart du temps, les croyances que l'on échange ensemble sont probablement vraies, mais parfois elles sont également fausses. Et le philosophe Pascal Engel nous dit que la croyance est un état psychologique dans lequel se trouve un sujet qui donne son assentiment à une proposition dont le statut épistémique est incertain ou seulement probable. Donc, vous avez déjà entendu des bruits de couloir, c'est Françoise qui aurait une, voilà, qui serait restée un peu tard au bureau, et là, on a à nouveau une croyance et on doit donner son assentiment, on va dire, ah oh ouais, c'est vrai, alors qu'on n'a pas de preuves suffisantes. C'est ça le statut épistémique incertain. Il existe six types de croyances, en tout cas, c'est ce que je vais vous proposer de scinder ensemble. Les croyances religieuses, celles que l'on évoque le plus souvent. Je crois que Dieu existe et qu'il a créé le monde en 6 jours. On a aussi les croyances invraisemblables. Je crois que par mes prières, j'ai sauvé le monde de l'apocalypse qui a été annoncé le 21 décembre 2012. Et c'est celles-ci qui vont plus nous intéresser. Il y a aussi les croyances superstitieuses. Je crois que casser un miroir m'apportera 7 ans de malheur. On a les croyances factuelles. Celles-ci, elles sont moins connues. Pourtant, c'est bien une croyance vis-à-vis de la définition que je vous ai proposée. C'est une croyance. Je crois qu'il va pleuvoir car j'aperçois un amas de nuages menaçants. Vous formulez une croyance. Vous ne savez pas s'il va véritablement pleuvoir, mais votre expérience vous conduit à formuler cette croyance. La croyance axiologique. Ici, elle est liée aux valeurs. Je crois qu'il est bon d'arriver à l'heure et qu'on se doit d'arriver à l'heure. Toute personne qui arriverait en retard provoquerait chez vous un certain agacement. Les croyances scientifiques. Je crois que le vaccin contre la COVID-19 est sûr. Et nous avons terminé ce point terminologique. Il faut savoir que les croyances extrêmes
elles ont cette particularité, les croyances extrêmes, c'est finalement l'intensité qu'on va mettre dans une adhésion à une croyance. Si vous adhérez à 10 sur une échelle de 10, donc vous adhérez inconditionnellement, alors on va considérer aujourd'hui que vous avez un rapport extrême à la croyance. Et souvent, le rapport est, quand vous adhérez à des croyances qui paraissent un peu en marge de la société, on convient ensemble que si vous dites « je crois que Dieu existe et qu'il a créé le monde en 7 jours », personne ne va vous rironner. On va vous dire « bon, vous avez une religiosité ». Mais si vous dites « j'attends les extraterrestres qui vont arriver dans mon jardin demain matin à 10h », là, on va commencer à vous regarder d'un drôle d'air et on va même rire de vous. Et c'est ces croyances-là que j'ai le plus étudiées et qu'on va voir ensemble. Parce que le contenu des croyances, ici, semble irrationnel. Parce qu'elles elles paraissent être en marge de ce que l'on a l'habitude de croire dans notre société. Souvent rationaliste d'ailleurs. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment, ou le plus souvent, c'est comment ces adeptes peuvent-ils croire à des idées extrêmes, radicales, irrationnelles, alors que la majorité des Français n'y croient pas. Et la deuxième question que l'on soulève souvent, c'est comment amener ces adeptes à abandonner leurs croyances extrêmes, parce qu'elles paraissent vraiment solides, en tout cas solidement ancrées dans leur esprit. Et on va voir cette deuxième section ensemble. Et dans mon travail, ça m'a amené à créer une modélisation du processus de désadhésion en rencontrant plusieurs dizaines d'anciens adeptes ayant adhéré à des croyances que j'ai définies avec vous comme invraisemblables. Et il s'avère qu'il y a plusieurs facteurs déterminants dans cette désadhésion. Le doute, si même un adepte fervent va avoir des doutes. Mais on va voir comment il s'insère dans ce processus. L'élément aussi déterminant sont les preuves issues d'une expérience que l'on vit par soi-même, une expérience subjective. Et le troisième point, c'est le conflit de valeurs. Et je vais vous montrer comment ces trois éléments s'animent dans l'esprit d'un adepte jusqu'à la désadhésion. Alors, comme je vous l'avais annoncé, on va voir d'abord rapidement ce qu'est le processus d'adhésion, pour pouvoir se concentrer au processus de désadhésion. Le processus d'adhésion, il est médiatisé. Il a des preuves de deux types. Les preuves médiatisées, les preuves expérientielles. D'abord, si je vous dis demain matin, si je vous annonce, je vous prédis que demain matin, un extraterrestre va venir en soucoupe volante devant votre porte d'entrée, dans votre jardin ou au pied de votre immeuble, si je ne vous apporte pas de preuves suffisamment convaincantes, vous n'allez pas adhérer à ce que je vous dis. Mais si je viens avec des amis qui vont vous dire, témoigner, que oui, les extraterrestres viennent souvent nous voir et que mes prédictions sont justes, alors ce sont des preuves médiatisées. Si en plus vous voyez une vidéo où on voit l'extraterrestre venir dans mon jardin, bien là, à nouveau, c'est une preuve médiatisée qui va créer un effet sur votre esprit. On va passer de la non-adhésion totale à un petit doute. Peut-être que c'est vrai. C'est la non-adhésion partielle. Puis, vous allez douter encore plus. Et là, c'est le rapport aporétique. Vous doutez tellement que vous avez remis en cause ce que vous savez, que les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre comme ça, avec une soucoupe volante. Et vous allez commencer à vous dire que ce que je vous raconte est probablement vrai. Donc là, en fait, vous êtes dans un entre-deux. Vous ne pouvez pas choisir. Et puis, au fur et à mesure des preuves qu'on va vous présenter, vous allez finir par adhérer partiellement à ce que je vous dis. Vous allez attendre, du coup, cet extraterrestre sur votre perron demain matin à 10h. Et si vous le voyez arriver, c'est probable. Peut-être que la probabilité est faible, mais c'est probable. Alors, vous aurez fait l'expérience par vous-même, par vos yeux, à travers vos yeux, que ce que je vous ai dit était vrai.
Là, vous atteignez l'adhésion inconditionnelle. Alors, il y a des croyances, comme je viens de vous les présenter, qui paraissent extrêmes et difficiles à démontrer. Extraterrestre, si je vous fais cette prédiction, il n'arrivera pas demain matin et vous n'aurez pas d'expérience, de preuve expérientielle. En revanche, ça marche très bien avec la prédiction suivante ou la proposition suivante. Manger des légumes pendant une semaine en bonne proportion et surtout ne buvez ni soda ni aliments sucrés, ne mangez aucun aliment sucré et à la fin de la semaine, vous allez être un individu tout à fait différent. Ce qui si veut vous dire faites que l'effet le test, placebo pourrait fonctionner comme oui, expérientiel. Oui, c'est ça. En fait, parce que vous avez une sensation, cette sensation personnelle, elle va avoir une importance capitale. Et vous allez la mettre au devant de toute autre preuve qu'on va vous présenter. Si vous ressentez un bien-être après avoir fait ce régime au bout d'une semaine, des sensations différentes et positives, alors vous avez une preuve expérientielle et vous adhérez à 100% à ce que je vous ai dit. Et vous allez adhérer comme ça, vous allez me donner un a priori positif à chaque nouvelle proposition que je vais vous faire. Et c'est ce processus qui amène un adepte à adhérer inconditionnellement. Et la preuve expérientielle est différente d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre. Maintenant, je vais vous replacer ça dans un processus. Le processus en entier, il est donc ici, je vais vous mettre le pointeur, la durée en année des personnes que j'ai rencontrées, l'intensité de l'adhésion, si j'adhère pas du tout, c'est 0, si j'adhère inconditionnellement, c'est 10. Au cours de l'adhésion, vous avez une phase où vous adhérez progressivement au fur et à mesure des preuves qu'on vous présente. Dès que vous avez une preuve expérientielle, vous atteignez l'échelle de 10 sur 10. Et à ce moment-là, l'adepte, quand il atteint ce niveau, ça dure 2 ans, c'est comme une lune de miel où votre conjoint ou votre conjointe, elle est parfaite. Il est parfait. Et quels que soient ses défauts, vous ne les voyez pas. Vous êtes comme aveuglé. Eh bien, c'est la même chose pour les adeptes. Ils vont avoir une période d'environ 2 ans où ils vont paraître sourds à tous les arguments qu'on va leur présenter contredisant leurs croyances. Ils vont vous disqualifier de fait en disant « mais c'est n'importe quoi ce que tu dis ». Maintenant qu'on est arrivé à ça, il s'agit de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'adepte pour qu'ici, ben, ils aient l'air sourds. Est-ce qu'ils sont vraiment sourds? Est-ce qu'il se passe vraiment, est-ce qu'il se passe quelque chose où vraiment ils adhèrent inconditionnellement pendant 2 ans durant? Ben, c'est ce qu'on va voir avec cette partie, une apparente résistance au changement. Ici, lorsque vous présentez une contradiction à un adepte, il, comme je viens de vous le dire, il paraît sourd. Et du coup, vous avez le sentiment qu'il résiste à tout changement de croyance. Or, il faut, pour comprendre le processus, zoomer sur la contradiction. Ce qu'est une contradiction? C'est donc une contradiction, elle est vécue par l'adepte à plein de moments. Quand vous émettez une idée contradictoire, vous allez, qui s'oppose aux croyances de l'adepte, vous allez contredire sa croyance et créer une contradiction. Les contradictions sont très importantes dans le processus de désadhésion parce qu'elles vont, un, générer les doutes. Et ces doutes sont ces contradictions sont de deux types. L'une est factuelle, comme là, je vous ai annoncé que demain, à 10h du matin, un extraterrestre viendrait dans votre jardin. Donc, demain matin, vous avez juste à vous rendre dans votre jardin à 10h du matin et constater s'il y a ou non un extraterrestre. Factuellement, vous pourrez voir si ma prédiction était juste ou fausse. Mais en tout cas, vous aurez une preuve évidente. Le deuxième type de contradiction, c'est la contradiction axiologique. C'est un conflit de valeurs. Celle-ci, elle ne se voit pas, elle est impalpable. Je vais vous donner des exemples. Un premier exemple, ce serait pour vous, il est très important qu'on ne mente jamais. L'honnêteté, c'est une valeur pour vous. Et là, vous constatez qu'un membre du groupe ment. Ça crée une contradiction. En plus, si le groupe dit
Le plus important dans notre groupe, c'est d'être honnête. Alors là, c'est encore plus important. C'est l'intensité de cette contradiction est encore plus forte. Et si c'est le fondateur du groupe qui ment, alors là, c'est encore plus important, mais on va voir ça bientôt. Et ces deux contradictions vont avoir un effet très différent sur l'adhésion de l'adhésion. Et ces deux contradictions vont nous aider à comprendre ce qui peut amener un adepte à sortir de son groupe 1. Alors, la contradiction factuelle, je vous le résume ici, c'est lorsqu'un attendu prescrit par un élément de la doctrine ne se concrétise pas. Si on dit « buvez cette potion, vous allez guérir du cancer » et puis la rémission ne vient pas. Ou lorsqu'une prédiction se révèle objectivement fausse. On vous prédit que vous allez enfanter un garçon et puis finalement, c'est une fille. Et ce type de contradiction a la particularité de ne pas pouvoir être mis en cause. C'est factuel. Hein, c'est un fait. Vous avez une fille devant les yeux et pas un petit garçon. Donc, personne ne peut vous dire « mais non, tu ne vois pas bien, tu ne vois pas correctement. » Non. Et l'adepte, donc, ne peut pas contester ce fait. La contradiction factuelle semble alors provoquer aucun changement. C'est ça qui est le plus étonnant quand on suit des personnes qui adhèrent inconditionnellement à ce type de croyance. Lorsque vous avez plein de groupes qui font des prédictions, lorsque la prédiction s'avère objectivement fausse, contredite par les faits, bien là, vous voyez des adeptes se dire « ah ben non, c'est qu'on a prié tellement fort que l'apocalypse, par exemple, n'est pas survenue. » C'est ce qui arrive. Ce qui est arrivé lors de la prédiction de l'Apocalypse de 2012 et de 1955 aussi. Pourtant, il y a bien un changement minimal, et c'est ce que je vais vous montrer, dans l'esprit de l'adepte. Mais l'entourage ne le perçoit pas, l'adepte ne le montre pas. Il y a une forme d'inflexion dans son adhésion qui aura une influence très importante dans le processus de sortie. Je vais vous donner un exemple d'une adepte que j'ai rencontrée. On va l'appeler Lauriane. Ici, c'est les degrés d'adhésion, l'intensité de son adhésion de 0 à 10. Et on va zoomer sur un des doutes qu'elle a eu, c'est le troisième doute. On a mesuré ensemble l'intensité de son adhésion avant le troisième doute, c'est ici, pendant le troisième doute et après le troisième doute. Il s'avère qu'avant le troisième doute, elle adhère à 10 sur une échelle de 10. C'est une adhésion inconditionnelle. Puis, elle se retrouve dans une situation où la doctrine lui dit qu'elle n'a pas besoin de la médecine. Seul le groupe et ses prières peuvent la guérir. Mais finalement, elle est obligée d'aller à l'hôpital. Donc, factuellement, les prières n'ont pas suffi. Alors, devant cette contradiction factuelle, vous voyez, elle baisse de 4 points. Elle n'est plus qu'à 6 sur 10. Puis, elle a des membres du groupe qui viennent la voir et Lauriane exprime le fait que les prières n'ont pas marché. Et là, le groupe va dire à Lauriane, il y a une raison à ça. On le sait, tout le monde fait des écarts. Et donc, Lauriane aura fait aussi des écarts. Et ils vont expliquer qu'il fallait ne faire aucun écart pour que Dieu sauve Lauriane, que les prières la sauvent également. Et ça donnait donc une explication suffisamment probable ou pertinente pour que Lauriane remonte à son niveau presque initial. Et vous avez vu, ici c'est 9, c'est pas 10. Il s'est bien passé quelque chose à ce niveau-là. Une inflexion qui ne s'est pas vue. Parce qu'après, Lauriane, dans son parcours, elle va être très fervente, plus fervente que n'importe qui. Donc, si on l'observait, on ne verrait qu'une adepte hyper dévouée. À l'intérieur, il s'est pourtant passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'un des éléments de la doctrine n'a pas pu être n'a pas pu retrouver son état initial. Je vais vous montrer ça avec le schéma suivant. Ici, c'est la petite inflexion que je vous ai montrée, où Lauriane était à 10, elle descend, puis elle remonte. Et donc, à ce niveau-là, ce qui s'est passé,
c'est que le mouvement disait à Lauriane, la médecine est inutile. Or, Lauriane a eu besoin de la médecine. Ce qui fait que, dans son esprit, comme la médecine a été nécessaire pour elle, alors elle ne peut plus considérer que la proposition « la médecine est inutile » est vraie. Elle n'y croit pas à cette petite partie de la doctrine. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par un point en moins ici. Elle n'adhère plus à 10. Et après, elle va être fervente. Elle va remonter à 10, vous avez vu. Puis après, c'est le début. C'est le début. Ça marque le début de l'effritement de sa croyance. Les doutes vont s'accumuler. Et inexorablement, elle va finir par abandonner presque la quasi-totalité de ses croyances. Vous avez vu, il en reste une. Un point ici. Et on va voir comment se passe ce processus. Et vous comprenez que dans une doctrine, il y a des centaines de croyances différentes. Chaque adepte va adhérer à une partie d'entre elles. Aucun adepte, d'ailleurs, n'adhère à tous les éléments de la doctrine proposée. Et il y aura des parties de la doctrine qui ne seront pas traduites en croyances inconditionnelles, en adhésion inconditionnelle. Et là, ici, je vous montre quel est le processus par lequel on passe. Ici, c'est le nombre de doutes par adepte. Et vous voyez qu'aucun adepte rencontré, et ils étaient plus de 40, n'a abandonné ses croyances dès le premier doute. Aucun après le deuxième doute. Puis certains commencent à abandonner leurs croyances au troisième doute. C'est souvent des personnes qui ont adhéré depuis peu. Et la majorité, vous voyez, pour la majorité, il faut 6 doutes importants, pas un petit doute, un doute qui est considéré comme très important. Et certes, pour certains, il en faut encore beaucoup plus. Et là, ceci reste plus de 10, 15, 20 ans dans le mouvement. Et donc, comprenez que quand vous regardez un adepte et que vous lui donnez, vous lui présentez des contradictions, eh bien, les chances qu'il abandonne ses croyances dès votre discours sont faibles. Par contre, comme vous l'avez vu avec Lauriane, ce doute va être stocké en mémoire. Il va revenir un peu plus tard et je vais vous expliquer comment. En résumé, les contradictions factuelles peuvent produire une fluctuation dans l'intensité de l'adhésion, comme on l'a vu. Les contradictions axiologiques, quant à elles, vont avoir un impact plus important sur le système de croyance. Là, ce qu'on a vu avec Lauriane, c'est bien la contradiction factuelle. Ça crée un changement minimal. Et là, ce qu'on va commencer à aborder, c'est les effets de la contradiction axiologique. C'est celle-ci qui crée un changement énorme au point de créer une rupture du jour au lendemain chez l'adepte. Voyons ça par le processus de désadhésion. On va revenir au schéma qu'on a vu ensemble. On va passer cette phase. Donc, on a vu que dès qu'on a un premier doute, la croyance s'effrite et on a des fluctuations. Et ici, les adeptes vont douter pendant plus de 6 ans en médiane. C'est-à-dire que la moitié des adeptes rencontrés ont douté pendant moins de 6 ans et l'autre moitié a douté plus de 6 ans. C'est long. Parce qu'il y a plein de moments où ils adhèrent un petit peu plus, plein de moments où ils doutent plus. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ces deux phases. La première, c'est la phase d'effritement partiel. Et la deuxième, c'est la phase d'ouverture épistémique. Autrement dit, ici, ça prépare le terrain. On commence à accumuler des doutes de plus en plus. Puis, il va y avoir un élément déclencheur qui va produire le départ. Et cette phase-là, de désadhésion, elle peut se faire dans la journée, comme elle peut se faire dans les 3 jours, mais c'est rapide, très, très rapide. Alors, je vais vous montrer comment ça se traduit dans la moyenne des adeptes que j'ai rencontrés. Ici, c'est les fluctuations que l'on voit sur l'ensemble des adeptes cumulés. Et vous voyez qu'on part bien d'une adhésion inconditionnelle et inexorablement, on va abandonner, chuter de plus en plus. Mais pendant tout ce temps, l'adepte est dans son mouvement, il y appartient. Et il ne semble pas, la plupart du temps, douter. Pourquoi?
Parce que souvent, le doute ne doit être caché. Il faut se le cacher et le cacher aux autres. C'est une norme que l'on rencontre souvent. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air sourds à vos contradictions. Mais en fait, ils entendent. Certaines de ces contradictions vont avoir un impact majeur, comme on l'a vu. Alors voyons d'abord le doute de basculement. C'est le premier, celui qui va générer cette phase d'effritement partiel, le numéro 1 sur le schéma. Le doute de basculement, lui, il apparaît dans 73% des cas après un conflit de valeurs. C'est pour ça que je vous disais que le conflit de valeurs est très important. Il survient le plus souvent après le troisième doute. Et l'adepte va retrouver son scepticisme. En fait, un adepte, quand il commence à être en contact d'un groupe, il est sceptique, mais ouvert d'esprit. Et au moment où il va adhérer inconditionnellement, il va abandonner son scepticisme, il va faire confiance totalement au groupe. Avec le doute de basculement, il va réouvrir son esprit et se dire « Ah, mais ça cloche, ça c'est bizarre, ça c'est louche, ça, allez, il faut que je réfléchisse un peu. » Et il va se lancer dans une rétro-analyse de tous les doutes qu'il aura vécu avant. Donc, au troisième doute, il va revenir sur le deuxième doute et réfléchir à l'explication qu'il avait considérée comme la plus probable. Et il va la regarder sous un nouveau jour. Ça prend du temps. Ça demande du temps aussi. Voyons comment ça se traduit dans le processus d'adhésion que je vous ai montré. Eh bien là, on a un phénomène inverse. Ici, l'adepte part de la désadhésion inconditionnelle et progressivement, il va se retrouver dans cette situation un peu inconfortable où il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ni vrai ni faux. Et on voit aussi que le doute, comme je vous l'ai montré, cette fois-ci je vous le montre autrement, la période de doute, elle est bien de 8 ans sur ce schéma. Et tout ça est lié à une contradiction, un conflit de valeurs, une contradiction axiologique. Et ces contradictions axiologiques, elles sont en fonction des adeptes. Ça dépend donc des valeurs qui sont les vôtres, en fait, qui sont celles de l'adepte. Une fois qu'on a ressenti cette contradiction, on va prendre du temps pour réfléchir. Puis, le doute de rupture, lui, c'est ce que j'appelle la phase d'ouverture épistémique, où cette fois-ci, c'est à nouveau majoritairement un conflit de valeurs. 71% des personnes vont avoir ce doute de rupture au moment généré par un conflit de valeurs. Il survient le plus souvent au sixième doute intense, hein, comme je vous l'avais montré un peu plus tôt. L'adepte, là, va rompre son adhésion brusquement. Et si on l'interroge, il va dire que c'est ça l'élément déclencheur, que c'est au moment où ils ont entendu telle personne mentir, ou c'est le moment où ils ont vu quelque chose qui leur a paru très curieux, où ils ont eu peur pour leur vie. Et pourtant, dans le processus, ça vient au sixième doute, il y en a eu 5 avant. Mais ça, ils ne le voient pas forcément tout de suite. Ils le découvrent en discutant, en essayant de revenir sur tout ce processus. Mais il est en fait très lent. Et souvent, quand on discute avec des anciens adeptes, ils vont plutôt vous présenter ce doute. Il vous paraît un peu anodin, alors qu'en fait, c'est juste le sommet de l'iceberg. Et là, si on reprend le processus d'adhésion, eh bien, il termine le processus. On se situe dans la situation au niveau aporétique, et hop, on va désadhérer jusqu'à abandonner la plupart des croyances. Et dans ce processus de désadhésion, en fait, il se fait en plusieurs étapes. Il s'avère qu'au départ, les doutes vont toucher les membres du mouvement. Vous voyez quelqu'un qui ne suit pas vraiment les prescriptions du mouvement. Et à ce niveau-là, ce qui vous vient à l'esprit, c'est « Oh, bah, ces personnes sont moins attachées à la doctrine que les autres. » Puis vous voyez un membre du mouvement, un membre plus dirigeant du mouvement, hein, parce que
quand les mouvements sont grands, il y a plusieurs niveaux, un peu comme dans une entreprise. Et cette fois-ci, vous vous dites, ah mais non, si cette fois, c'est une personne du staff, alors c'est pas seulement le membre de, c'est pas seulement une question individuelle. C'est peut-être à l'échelle du groupe. Mais jusque-là, on touche pas au fondateur. Parce que c'est peut-être simplement le membre dirigeant. Donc, vous voyez que la remise en cause, elle se fait très progressivement. Puis, les doutes s'accumulent encore. Et cette fois-ci, vous voyez un élément de la doctrine qui va à l'encontre de vos valeurs. On vous dit, ces personnes ont mérité de mourir. Et pour vous, la vie est importante. Vous voyez, votre valeur, c'est le respect de la vie humaine en toutes circonstances. Et la doctrine vous dit non. Il y aurait des personnes qui mériteraient de mourir et d'autres non. Ça peut créer un conflit de valeurs chez vous et vous allez commencer à remettre en question la doctrine. Pour le fondateur, le plus souvent, c'est un manque de probité, un manque de confiance, un manque des mensonges, des incohérences qui vont égratigner la confiance que les adeptes auront eu à son égard. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est là qu'on retrouve le doute de basculement. Et ce qui paraît souvent contre-intuitif, c'est ce qui vient ensuite, c'est-à-dire que ces croyances que j'appelle résiduelles, c'est celles qui auront été validées par l'expérience personnelle de l'adepte, comme on l'avait vu un peu plus tôt. Bien, celles-ci, elles seront rarement remises en cause. Elles vont rester dans l'esprit de l'adepte parce que rien ne peut contredire une expérience sensorielle personnelle. Et ces croyances-là, elles vont avoir un effet un peu plus tard. C'est sur ces croyances résiduelles que les adeptes vont être susceptibles d'adhérer à un autre mouvement. Alors, revenons ici sur ce tableau du nombre de doutes et il s'avère que c'est bien le sixième doute qui va être le plus important, le plus marquant, alors qu'en fait, il est le produit d'un processus où les doutes s'accumulent progressivement et où, à un moment donné, c'est comme mettre des rustines sur une roue de vélo. Vous mettez une première rustine, une deuxième rustine, et à un moment donné, le trou est trop gros et là, vous vous questionnez. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les adeptes. Je vais terminer mon propos avec un résumé. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les raisons d'entrée deviendront les raisons de sortie. Ce point, je ne vous l'ai peut-être pas assez expliqué ou pas du tout expliqué. C'est un adepte va entrer dans un mouvement pour de bonnes raisons, en fait. Il a, ou pour le dire autrement, il y a des choses dans le mouvement qui vont susciter sa curiosité. Et il va trouver un intérêt à suivre ce qu'on lui présente. On va lui dire, on va voir quelqu'un qui a une maladie, par exemple, et il va rencontrer un mouvement qui va lui dire, bien, viens, on va te guérir. Donc, les raisons d'entrée, c'est la guérison. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller à l'hôpital. Et les raisons de sortie seront bien également la guérison, puisqu'à un moment donné, la maladie va progresser et ça va créer un doute. Si le doute est suffisamment important, eh bien, ça va créer une désadhésion. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que l'opposition entre les valeurs intrinsèques de l'individu et celles du mouvement sera le plus grand moteur de la désadhésion. Parce qu'en fait, il y a énormément de valeurs que l'adepte a acquis dès son plus jeune âge. Et parfois, en arrivant dans un mouvement, il va s'infléchir, il va changer. Et pourtant, ces valeurs intrinsèques, centrales, autrement dit, les points les plus importants pour cet adepte, resteront dans son esprit. Et si le mouvement les contredit, ça va créer ce moteur de désadhésion. Voilà, j'ai terminé mon propos. Je vous remercie pour votre attention. Et comme l'a dit Didier Pachou, je vous remontre l'ouvrage dans lequel est tiré le contenu de cette communication.